Veuillez vous lever. Waiter, please be seated. Veuillez vous asseoir. The court is now in session. Je déclare l'audience ouverte. Today the chamber continues the testimony of witness to TCW 1005. And after the conclusion of the testimony of this witness, après we'll begin hearing testimony témoin, of an expert witness, that is to TCE 90. Mr. M. Hoi, please report Je the attendance of the parties de and other individuals to today's proceedings. Greffier, Mr. President, Greffier, for Monsieur today's proceedings, all parties to this case are present. Toutes les parties au procès sont présentes. Mr. Nautier is present Monsieur in the holding cell downstairs. Dans la salle he has waived his right to be present in the courtroom. Droit d'être physiquement présent dans le prétoire. The waiver has been delivered Et to the greffier. Le document de renonciation a été remis au greffier. The witness who is to conclude his testimony today, that is to TCW 1005, is present in the courtroom. Today we also have an expert witness, that is to TCE 90, who will appear after the conclusion of testimony of a witness to TCW 1005. The witness expert confirms that to his best knowledge he has no relationship by blood or by law to any of the two accused, that is Nautier and Kills on Porn, or to any of the civil parties admitted in this case. The expert witness will take an oath before the chamber. President, thank you, Mr. M. Hoi. Président, je vous remercie, the chamber now decides on the request by Nautier. The chamber has received a waiver from Nautier, dated 28 July 2016, which states that due to his health, that is headache, back pain, he cannot sit or concentrate for long, and in order to effectively participate in future hearings, he requests to waive his right to be present. At the 28 July 2016 hearing, having seen the medical report of Nautier by the duty doctor for the accused at the ECCC, dated 28 July 2016, which notes that Nautier has a chronic back pain and it becomes severe when he sits for long, and recommends that the chamber shall grant him his request so that Nautier can follow the proceedings remotely from the holding cell downstairs. Based on the above information and pursuant to Rule 81.5 of the ECCC internal rules, the chamber grants Nautier his request to follow today's proceedings remotely from the holding cell downstairs via an audiovisual means. The chamber instructs the AV unit personnel to link the proceedings to the room downstairs so that Nautier can follow. That applies for the whole day. The chamber now hands the floor to the defense counsel for Kills on Porn to put questions to the witness. You may proceed. Merci, Monsieur le Thank Président. You, Mr. President. Bonjour. And, good Bonjour morning. À tous. Good morning to all of you. Bonjour, Monsieur le témoin. Good morning, witness. Je m'appelle Anta Guisset. My name is Anta Guisset, and I am the international co-counsel of Mr. Kills on Porn. C'est à ce titre que and je vais vous poser quelques questions complémentaires put a few complimentary questions to you as well as seek clarification. Je voudrais tout d'abord m'intéresser like à la période, to focus on the period, à votre période à Kirivong, in Kirivong, où vous étiez messager. Where you were a messenger. Qui était votre supérieur direct was pendant your cette période? Direct, superior during that period? I was with Pawn in J'étais the Pawn regiment. Au régiment. It was located in a village qui se in Sla village. Dans le village de Sla. Later on, Plus Pawn tard, was transferred
Pon a été transféré. Then I was assigned elsewhere. Et moi, j'ai été muté ailleurs. Lorsque vous étiez messager pour Pon, est-ce que vous aviez des gens sous votre responsabilité vous-même? Did you have any people under your orders? I have about 10 people. J'avais à peu près 10 personnes. Or, up to around 20 people who Ou were peut-être under jusqu'à me. 20 personnes qui étaient mes subalternes. Et toutes ces personnes étaient des messagers? And were all of these people messengers? Yes, we were all messengers. Oui, nous étions tous messagers. And later on, I became head of the groups, that is, head Par of the Par la suite, je platoon. Suis devenu chef du groupe, c'est-à-dire, en fait, chef de section. At the time, I was still pretty young. À cette époque-là, j'étais encore très jeune. I was around between 13 to 17 je years old. Je devais avoir entre 13 et 17 ans. Et les messages dont vous vous occupiez, d'où venaient-ils et à qui étaient-ils destinés? To whom were they destined? Bột tranh bịa cọt nó cứ đời lái chẳng dây thả lâu đưa ta mẹ sơn à tôi mùi mùi nắng. For each platoon, we had to deliver his Pour chaque messages. Section, il fallait livrer when des messages. Chaque section avait ses messages à livrer. When he requested those heads of relevant units Lorsque for les chefs meetings, we had to deliver those messages. À une réunion, nous devions livrer les messages correspondants. Si je comprends bien, so c'était uniquement well, des messages. Qui était en These lien were avec only messengers la division à laquelle vous apparteniez, c'est bien ça, et les supérieurs de cette division. And these were messages only that only concerned the people in the higher ranks of that division. Not yet formed. Lorsque j'étais là-bas, la division n'était pas encore regiment. Formée. Il n'y avait que le régiment And du then, secteur. There were other companies Et underneath. Il y avait d'autres compagnies. And division was only formed later in 1977. La division n'a été formée que plus tard, en 1977. Et donc, pendant cette période so où il n'y avait period, que le régiment, regiment, est-ce que tous vos messages étaient à l'intérieur du secteur ou est-ce que vous alliez parfois en dehors du secteur pour délivrer les messages outside, of the region, to deliver messages? Lorsque j'étais à Kiribong, the sector, je ne me rendais pas au secteur. Je livrais les messages entre battalions. Les régiments I really, au bataillon. Went to Takao. Je me rendais Usually rarement I à Takao. In Kiribong en général, and in mes déplacements Sla étaient limités au Kiribong et au sein du village de Sla ou alors la zone frontalière. That is, I was to the south side, that is Supriel, pagoda, sud, c'est-à-dire la pagoda and Préal. Units were based along Et the les unités border. Étaient basées, étaient postées le long de la frontière. Est-ce que lorsque vous étiez à Kiribong, vous aviez Kiribong, également en charge la radio ou un quelconque télégraphe? Ou est-ce que c'était uniquement kind of, des messages papiers? Were you only delivering paper messages? When I was in Kiribong, I was not allowed to operate a radio Je yet. N'avais pas le droit I was still la in radio. A platoon. J'étais encore dans la section.
and I was not given any radio to operate et or to work with the telegraph. Pour travailler, ni je ne pouvais pas non plus travailler avec le télégraphe. Donc, si je comprends bien, ce n'est qu'à partir du moment où vous êtes arrivé à Kratié que vous avez pu travailler avec la radio et éventuellement le télégraphe. With a radio or with a telegraph transmitter. Yes, that is correct. Oui, c'est exact. Est-ce que vous avez suivi une formation pour utiliser la radio? To operate a radio? I was trained for a period of 3 months. However, the actual sessions were for 1.5 months, and then I returned. Ont duré pendant un mois et demi. Ensuite, je suis rentrée. Et est-ce que vous avez suivi une formation pour utiliser le télégraphe? Were you also trained to use a telegraph transmitter? Yes, I received the training. Oui, j'ai reçu une telle formation. Was trained how to decode messages. On m'a appris à décoder les messages. And how to use the code for the transmission. Actually, the message was just typed by a typist, and then it has to be encoded. Les tapait d'abord et ensuite c'était codé. Je reviendrai un petit peu plus tard à cet aspect-là à Kratié. Une question de précision tout d'abord sur les réunions de formation auxquelles vous avez assisté. Mardi vers 9h17, vous avez évoqué des sessions de formation au cours desquelles les cadres qui vous instruisaient utilisaient des étendards révolutionnaires. Est-ce que les cadres vous remettaient des exemplaires des étendards révolutionnaires ou est-ce qu'ils se contentaient de vous lire et d'interpréter le contenu? At that point in time, I did not see the magazine. Yesterday, I was asked about that. In fact, the trainer read from a hard copy during the study session, but personally, I never saw it. Je ne l'ai jamais vu. The instructions or the contents were read out to the trainees. And that's what I said yesterday. C'est ce que j'ai dit hier. In fact, the principles of morality were good. De moralité étaient but bons. Participants did not remember every single point, ne although se souvenaient pas the de chacun des points pourtant raised. Les points ont during bel et bien study été soulevés au cours de la séance d'études. Remember some points, but not all the points that were taught during the study sessions. And that's what I testified yesterday. Mais pas toutes. Et voilà ce que j'ai dit hier. Donc, et je vais être sûr de bien comprendre, vous-même, vous n'avez jamais eu en main un exemplaire de l'étendard révolutionnaire. C'est bien ça. Never had a copy of revolutionary flag before you. Yes, that is correct. Oui, c'est correct. And I never said that I had a copy. Et je n'ai jamais dit que j'avais eu un exemplaire. I said that during the study sessions. J'ai dit que pendant les séances d'études. The material was used. Le matériel était ce matériel they était utilisé. They were instructed that we had to be honest. On nous donnait l'instruction d'être honnête. And of course, when people got into a brawl, they never thought of the principles et of morality that were taught during the study sessions. Ne pensaient pas aux préceptes de moralité qui étaient évoqués pendant les séances d'études après.
je voudrais passer maintenant à un autre point. Like to turn to another point. Vous avez évoqué Tamok à l'audience de mardi. On Tuesday. Et vous avez notamment indiqué, c'était un petit peu après 14h39 et 49 secondes, que Tamok était responsable de tous, que ce soit les soldats ou les civils, citoyens ordinaires. Et vous avez précisé les soldats et la population l'aimaient, d'après ce que j'ai pu observer en tant que résident du secteur. That's what I observed as someone who was living in that region. Et vous avez également ajouté tout ce qu'il disait était considéré par les militaires. Was carefully considered by the soldiers. End of quote. Donc, je voudrais savoir comment vous avez pu arriver à cette conclusion. Enfin, qu'est-ce que vous avez observé qui vous permet de dire que Tamok était aimé de la population à la fois civile et militaire. Was loved by the civilian as well as the military population. That was on my personal observation. C'est ce que j'avais personnellement observé. What I knew is that the soldiers. Ce que je savais, c'était que les soldats. At the time, that is before I departed from him in 77 or late 76 to Kirirom. I observed that those soldiers or the army medics loved him. De l'armée l'aimaient. For example, when he went to visit a hospital, he would instruct the medics to carefully treat those wounded soldiers. Il donnait plutôt aux médecins l'instruction de bien s'occuper de ceux qui étaient blessés. Et les soldats, en général, lui présentaient leurs plaintes, se plaignaient auprès de lui lorsqu'ils n'étaient pas bien traités. Could resolve the situation effectively. That's what I testified today, and I could only testify to the extent of my knowledge. Mais ma déposition ne se limite qu'à ce que je sais, à mes connaissances. Dans votre dans le cadre de votre déclaration in devant le juge d'instruction, vous avez indiqué dans le document E3/9814 à la réponse 30, at answer 30 c'était au sujet d'une question relative à une question de hiérarchie. About the hierarchy. Vous avez indiqué donc à la réponse 30, at answer 30, à mon avis, as far as I am concerned, je pense que Sun Sen était le plus haut placé dans cette structure dirigeante, puis c'était Tamok, et enfin Tamut. And then it was Tamok, and then it was Tamut. Cependant, however, si nous examinions la structure de la zone sud-ouest seule, c'était indéniablement Tamok qui était Tamok au-dessus des autres. Who was above the others. Fin de citation. End of quote, free translation. Je voudrais savoir ce que, parce que vous dites à mon avis, because you said in my opinion, je voudrais savoir ce qui vous fait dire que so what led Tamok you était au-dessus des autres au niveau de la Tamok zone sud-ouest. Was above all others in the southwest zone. Allow me to respond to your question. Permettez-moi de répondre à votre question. What I observe is that he could effectively be in charge of the entire zone, pouvait être effectivement both the military and the bases. Que cela soit des militaires. All sectors were under his supervision. Étaient placés sous sa supervision. And he referred to Kampot, Takeo, south part of Kampot, and Kandahar province. And he could travel to any areas et within those four sectors. N'importe où au sein de ces quatre secteurs ou régions. Even his deputies did not dare to raise anything with him.
n'osait rien soulever auprès de lui. Including his son-in-law. Y compris son beau-fils. Sometimes when he went through within an area, parfois, the son-in-law didn't dare to stay there and move elsewhere. Beau-fils n'osait pas. So that's why I said that he was the top leader in the zone. Le chef suprême dans la zone. Vous parlez du beau-fils de Tamok. Est-ce que vous pouvez rappeler Tamok's son-in-law, so could you also remind or tell the chamber what his name is again? Je peux vous dire ce que je sais, mais si je ne sais pas, je vous le dis aussi. Est-ce que je dois comprendre que vous ne vous souvenez plus du nom du beau-fils de Tamok? The name of Tamok's son-in-law? President, a witness, please observe the microphone. Président, monsieur le témoin, attendez que le microphone soit allumé. Witness. Témoin. I do not recall the same name. Je ne me souviens pas de son nom de famille. However, I know his name. Mais je connais son nom. And I still recall how many of his children who were married at the time. Et je me souviens également du nombre de ses enfants à être mariés à cette époque-là. Donc est-ce que vous pouvez donner le nom dont vous vous souvenez du beau-fils de Tamok? Tell us the name you remember. Je vais parler de l'enfant le plus âgé qui est décédé, c'est-à-dire Khom. Mehmoud a épousé par la suite une autre femme. Comprenait donc Mehmoud. And another teacher who got married to Burain. Et un autre enseignant qui s'est marié à Burain. And Ho. Et Ho. Was another one, but died. C'était encore une autre personne, mais est décédée. And as for Bora and Yehin. Et Bora et Yehin, they were also at the division level, but they passed away. Mais ils sont décédés. And as for the youngest child, Choj, I did not know him because at the time he was pretty young and I already moved to Longwen. Je ne sais pas s'il y a eu un problème dans l'interprétation de ma question. Tout à l'heure, lorsque je posais des questions sur Tamok, vous avez dit qu'il était le chef suprême dans la zone sud-ouest, et même son beau-fils n'osait pas lui faire de réflexions. Moi, ce que je voulais avoir, c'est le nom de ce beau-fils dont vous dites qu'il n'osait pas faire de réflexions. Vous ne me posiez pas la question au sujet de tous les enfants de Tamok. Je voudrais vous poser également des questions au sujet d'une autre personne, Tatum. Vous avez été interrogé à son propos devant un juge d'instruction, document E3/10.6.2.2, notamment à la réponse 123, et vous avez évoqué les pouvoirs et la particularité de Tatum. Et je vais citer en anglais parce que la version française n'existe pas. No French translation. There were sector soldiers at the sector level. Yet, the person in charge of the soldiers was different, not the sector committee. Ce n'était pas le comité de secteur. Yesterday, I said
Tanem. J'ai dit un N-A-I-M pour les interprètes. Was in charge of the sector forces. Était responsable des forces du secteur. The people on the sector committee, such as Tassom and Tatit, were not in charge of the forces. N'étaient pas responsables des forces. Tatom was different. Tatom and at the district level, at soldiers. Et I think that was the reason why the upper echelon accused Tatom of being a traitor. Because of the strength of those forces. Fin de citation. À cause de la force end of quote. De ses forces. Ma question so est donc la suivante. Vous indiquez dans you cette réponse au juge d'instruction que Tatom avait des soldats au niveau du district. Had soldiers at the district est-ce level que under him? C'était le seul so à avoir des soldats au niveau du district? Soldiers under him at the district level? បាទបញ្ហាហ្នឹងខ្ញុំសូមបកស្រាយជូនដែលចម្លើយហ្នឹងគឺអត់ខុសដែលខ្ញុំឆ្លើយ The statement is not wrong. Cette déclaration n'est I pas said fausse. So because he was my cousin. J'ai dit cela parce qu'il était mon cousin. Since he was a cousin of my ex-wife. Parce que c'était le cousin de mon ex-femme. And my mother went to Grivong Hospital. Et ma mère plutôt s'est rendue à l'hôpital de Kirivong together with Tom's wife there. Avec la femme de Tom. And Tom had his Tom forces under him. That is a platoon qui était placé sous sa responsabilité. Il avait une section qui était stationnée avec lui tout le temps. And there was also another battalion that he assigned to be stationed elsewhere. Bataillon. Whenever I went to visit him, then there was a man at the door who would open his office door for me. And that's why I said so, and that's voilà pourquoi j'ai dit cela. And that was probably the reasons that caused him troubles. Et c'est probablement à cause and de cela I qu'il agree a eu des with problèmes. The excerpts that je just suis d'accord read avec out. L'extrait que vous venez de lire. Quand vous dites c'est when probablement à cause de cela qu'il a eu des problèmes, ce sont des conclusions à vous ou est-ce que vous avez entendu or did you hear par from others, une personne from, de la région que c'était pour cette the, raison qu'il avait eu des problèmes? That for that est-ce que c'est une supposition that ou c'est quelque chose qu'on vous a dit? Is this a supposition or is this something that was told to you? បញ្ហាហ្នឹងដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់កញ្ហាហ្នឹងចង់និយាយថាកាលជំនាន់នោះអំទឹកក៏នៅក្នុងស្រុកនោះតា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 went to visit the house. Et lorsque house. Je suis allé en Actually, visite by that time à la maison, he had been removed. En fait, à ce moment-là, j'avais déjà and, été military commanders retiré who were under him were also les commandants militaires placés away. Sur lui avaient également été envoyés ailleurs. And that was the end of the matters with his subordinates. Et les choses, la situation avec ses subordonnés s'est arrêtée là. Told me about my uncle that m'a parlé de mon the oncle. Soldiers under him but m'a not dit que les soldats placés well sous sa responsabilité n'étaient pas bien and disciplinés. Then I, upon hearing that, I quickly went to Krati and I did ça, not spend Krati, time visiting my mother in the village. De temps auprès de ma mère and that's what happened. And I agree with the prior statements that I made. Dit, avec ce que j'ai dit. Auparavant. Je ne suis pas sûr d'avoir sure très bien compris votre I réponse. Your answer very clearly. Donc je vais reformuler ma question. Let me rephrase vous avez my indiqué question. You said, dans l'extrait que je vous ai lu that I que selon vous, that according to you, Tatom avait eu des problèmes parce que justement il avait
ces soldats sous sa responsabilité. Donc ma question était de savoir est-ce que c'est quelque chose que vous avez conclu vous-même, so, ou est-ce que c'est quelque chose que quelqu'un vous a dit, et si c'est quelqu'un qui vous l'a dit, someone qui told you? And if somebody told you this, who was this person? I replied to my previous question. Il y avait plusieurs groupes de soldats, certains étaient avec lui, d'autres étaient postés sur le champ de bataille au front. Alors, la confusion vient peut-être du fait que tout à l'heure, dans ma traduction, j'ai entendu que Tatum était votre cousin. Et là, si je comprends bien, vous en parlez comme de votre oncle. Est-ce que vous pouvez préciser quel était le lien de famille exact? So, can you tell us what kind of family link you had with him? He was not my uncle. Il n'était pas mon oncle. My mother and my father. Ma mère et mon père. In fact, my mother was the cousin of his. Était so for that reason, était sa cousine. He's kind of my uncle. Donc il est un peu comme mon oncle. Homme. Ok, et à la réponse 135 du même document, E3-10-6-2-2, vous dites que Tatum buvait du vin et que c'était quelque chose qui était interdit. Est-ce que vous savez s'il a eu des problèmes en ce qui concerne son comportement? Est-ce que c'est quelque chose qu'on lui a reproché à Tatum? I saw that. That is why I raised the matter up. He drank wine and he had issues within the army. He, in fact, drank wine from the jar that he used to produce wine, to keep wine. Dans laquelle When I was walking from Tom's house, I dropped by his house, Uncle Tom, and I saw the jar, the wine jar. Rome, the messenger of Tassam, asked me where I was going. I said I went to visit Tom. In fact, at the time, Tom was away, and I asked where Tom was. I was asked where Tom was, and I told the guy who asked me that I went to visit Tom. In fact, I did not personally see him drinking wine, but in fact, I was at his home, his house, and I saw the wine jar. Boire du vin personnellement, mais je m'étais rendu chez lui et j'avais vu la cruche de vin. En dehors de cet incident, est-ce que vous avez d'autres éléments pour dire que Tatum aurait eu des problèmes à cause de sa consommation d'alcool? J'avais déjà quitté son domicile. I in fact made a
the statements in the previous occasions, and I do not know for sure whether he really consumed alcohol. Et je ne sais pas si effectivement il consommait de l'alcool. J'en viens maintenant à un autre point. I will now come back Vous to avez another point. Évoqué avec mon confrère Copé notamment les combats avec le Vietnam Copé, et l'intensification de ces combats Vietnam, après 1977. After 1977. Et à l'audience de mardi vers 13h47 et 21 secondes, vous avez évoqué des incidents en indiquant, je vais vous citer pour être sûr de ne pas déformer vos propos, vous avez dit, not twisting your words, you said, par exemple, for example, des soldats ont retourné sur eux, contre eux, leurs propres armes. Les soldats blessés étaient envoyés à l'hôpital. Il y a eu des situations où les soldats eux-mêmes ont créé des incidents au sein de l'armée. Ces événements ont eu une incidence sur d'autres soldats. Fin de citation. Ma question est la suivante. Vous évoquez des incidents où, pour essayer de, je suppose, de sortir de la ligne de front, des soldats ont retourné des armes contre eux-mêmes ou ont créé des incidents. Est-ce que ce sont des choses que vous avez vues vous-même, dont vous avez été témoin direct, ou est-ce que c'est des choses que vous avez apprises? I was speaking about the shelling by the UN, and then the radio communication was made to assist the soldiers. Perhaps they may have misinterpreted the message or the statement that I made. I was speaking about the advancement of UN. Je parlais de l'avancée des UN. And UN was attacking and defeating the preparatory line. Attaquait. And could you clarify the quote that you have just made? Et les avait vaincus. I was speaking about Est-ce a radio operator. Some radio operators, some de radio. Were eating a meal at the time, and there was an incident that 200 soldiers were killed. À savoir 200 soldats avaient été and tués. As for the patient, the injured Quant aux malades, soldiers who were sent to the hospital, I was not speaking about it. However, I was talking about the radio operator asking soldiers to fire, the shelling, and then the shells missed the target and it dropped on our soldiers. 200 of them were killed. Et sont tombés sur nos soldats, tuant 200 d'entre eux. At the time, hundreds of soldiers were eating meal or the operators were eating meal, and there was an incident that 200 soldiers were killed, and the shelling missed the target and dropped on our own soldiers. As a result, 200 of them killed. Perhaps you could make it clearer for me about the statement that I made the other day. Davantage éclaircir la déposition que j'ai faite le jour mentionné. C'est effectivement le point que je vous ai cité que j'ai eu dans ma traduction en français. Là, vous donnez plus de détails en disant qu'il y a eu un mauvais tir et que le tir est arrivé, si j'ai bien compris, sur les soldats du Kampuchea démocratique. J'en reviens du coup à un autre point que vous avez également évoqué hier. Vous avez indiqué que les forces vietnamiennes étaient plus fortes et disposaient de moyens plus moderne, si j'ai bien compris. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer ce que vous avez indiqué hier? Can you clarify and give more detail on what you said yesterday? Mm.
Yes, I can expand it on the issue of soldiers, the Vietnamese soldiers, concerning the weapons. We have the artillery, five artilleries in our division, and 100 soldiers were using that five artilleries. The 85 millimeter artillery and 130 millimeter artillery could not reach the target of the opposition Vietnamese, and the other side had modernized modern equipment and firing in one shot. They could fire hundreds of bullets or shells to our battlefield. We had only a small artillery, for example 63 millimeter, 85 millimeter, and 130. And as for their equipment, military equipment, they had more modern equipment compared to us. Ils avaient davantage de moyens et d'équipements que nous. Je voudrais maintenant avoir un petit peu plus de précision sur vos fonctions à Kratier. On your functions in Kratier. Tout à l'heure, vous nous avez indiqué que lorsque vous étiez à Kérivan, vous aviez 10 à 20 personnes sous votre responsabilité. Combien de personnes aviez-vous sous votre responsabilité à Kratier? I was not in charge of more than 200 or 300 soldiers. I was in charge of the messenger, the drivers, telegram operators, and clothes making workers. However, I had the authority to communicate and make reports to the commanders. I was not in charge of ten of hundreds or thousands of soldiers. I was in charge of perhaps 100 soldiers, and I could solve the problems in relation to ammunition, food, uniforms, etc. And I was entitled to solve these problems for the brothers at the battlefront. I did not hold high-ranking position, and my rank was could not be compared to the regimental level. I was below that. Whenever there were meetings of regiments, I was not invited to join the meetings. Je n'étais pas invité à assister aux réunions organisées dans les régiments. Hier, répondant à une question de Monsieur le juge Lavergne, vous avez indiqué que les trois personnes auxquels vous adressiez vos rapports étaient soit Mimout, soit Soumet, soit Son Sen. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition? Son Sen. Did I understand your statement correctly? That is true, what I said. C'est exact. Est-ce que je comprends bien en interprétant cela comme ce sont les seuls supérieurs hiérarchiques avec lesquels vous aviez des communications directes? The three uncles, concerning the three uncles,
I would make a daily report to the general staff, and one of them had the authorities to receive my report, and usually the reports reached those three individuals, and whether or not they responded to the reports les rapports parvenaient à ces trois personnes. Depended on them. Et il leur revenait d'y répondre ou non. Usually, I was required to make annotations, to make the reports based on annotations concerning how much ammunition I needed. D'annotation. Again, since they were my superiors, one of them had the authority to receive my reports. Une fois encore, l'un de mes supérieurs était habilité à recevoir mes rapports. If one was absent, the others who were there in the office would receive my reports. Qui se trouvaient in the context of recevoir mon rapport. Army, if the secret was leaked, danger would be bestowed on the si des informations secrètes filtraient, cela pouvait mettre en danger les soldats. Messages were to be decoded and encoded up, and if the message were not correctly encoded and decoded, the danger would be bestowed on the soldiers. N'était pas correctement décodé ou crypté, cela pouvait mettre en danger les soldats. Vous avez indiqué que vous aviez sous votre responsabilité des gens qui étaient en charge des télégrammes. Où était situé l'appareil, enfin le télégraphe que vous utilisiez dans le cadre de votre régiment ou de la division plutôt? Usually, telegram that is 25 or 40 C25 or 46 were used by specific units, and radio communicators were the Chinese made ones. Des communications se faisaient par radio de marque chinoise. Telegram machine at my units was a bit away, was a bit in a distance. It was away from that of their house, the uncle's house. Était situé à un endroit éloigné de la résidence des oncles. All I know is that messages were to be sent to specific location, and before the messages were sent, they had to be decoded. Encoded. Mais avant, ces messages devaient être encodés. It was so complicated concerning message formulation. It is easier in this current period of time. We can do it faster now because of the modern internet technology. Avec les connaissances modernes, il est plus facile et plus rapide de le faire. Vous avez indiqué les télégraphes étaient loin de la résidence des oncles. De quels oncles parlez-vous? Which uncles were you speaking of? I was working with Uncle Rom. Je travaillais avec l'oncle Rom, par exemple. And his house. The office, his office would be, for example, 50 meters or 100 meters away, and usually the telegram machine was kept from his house in a separate office, but it was not too far from his house. Again, the telegram machine was kept at a different office or house dans un bureau ou une maison différente de celle de l'oncle Rome. And usually there were people who were responsible for encoding and decoding messages and sending messages. De l'envoi des messages, de leur
décodage et de leur encodage. We had a specific telegram machine to be used for communicating messages to the general staff, and there were sets of telegram machines used for communication to the battlefront. So the machines were not the same. Avec le champ de bataille, ces machines étaient différentes. Otherwise, delivery of the messages would be interrupted. However, we use the same radio communicators. Sinon, la communication des messages serait interrompue. Et nous utilisions les mêmes opérateurs de communication radio. Thank you very much. Je vous remercie. Je voudrais maintenant une précision par rapport au télégraphiste que vous avez évoqué, à savoir Ti et Kong. Et là, je renvoie à votre déclaration devant le juge d'instruction, document E3-9813, à la réponse 29. Answer 29. Et là, vous évoquez le message que vous dites que vous avez vu venant de M870. Et voilà ce que vous évoquez, vous dites. And here's what you say. Pour être plus précis, to be more ceux clear, qui remettaient les lettres du bureau M870 à Rome étaient Ti et Kong, qui étaient également télégraphistes de l'unité de messagerie de Mimut. Fin de citation. Donc ma première question est de savoir, vous avez évoqué les télégraphes que vous aviez à votre disposition au niveau de la division. Et là, vous parlez de Ti et Kong, qui étaient télégraphistes de l'unité de messagerie de Mimut. Ma question est donc de savoir, est-ce que les télégraphes utilisés par Ti et Kong étaient à des endroits différents de ceux que vous utilisiez dans votre division? Allow me to clarify the names. Je vais préciser les noms. In fact, the names are correct. The names are confusing. T, not T. T and prête à confusion. Kong. C'est not T Kong. T et Kong. Kong. Non T Kong. During the regime, T Kong were in charge of messages for Mut. Ti et Kong étaient chargés des messages. Mut was at an other location together with the messenger at Tusombo or Tusalok. Avec les messagers à Sambo. Ti, in fact, was originally from the airfield. Ti, in fact, Ti Kong and Mimut were not working together in the past. Ti Kong et Mimut ne travaillaient pas ensemble dans le passé. Ti was at the time from was coming from the airfield, and he brought the message to Rome. De l'aérodrome à l'époque. Ti Kong was not responsible for sending messages to me. However, at the time, we thought the message was sent from the M870 by air. Le message est envoyé par voie aérienne par le bureau M870. Alors, je voudrais une précision. So I would like vous dites que Ti et Kong. Alors, je ne sais pas si vous parlez d'une seule fois où un message est arrivé par voie aérienne ou est-ce que c'est arrivé à plusieurs reprises. Est-ce que vous pouvez préciser ce point? Could you clarify that, please? Allow me to clarify this matter for you. I want to say that Ti and Kong were the personal messengers of Mut.
personnel de Mutta. Mutta was at a sambor of the Lord in the north. Se trouvait à Sambor. And I was at a Krache. Et Salat au nord. Et moi, je me trouvais and at the time, Ti and Kung were coming from 502, the airfield. De l'aérodrome. So I. De la 502. I thought that the message was sent through 502 and Ti and Kung were sending the message to us. Et Ti et Kung nous faisaient parvenir ces messages. The message of A7T, the one that concerned the message, included Rom, the name Rom, and other individuals to go to a specific location. And these individuals listed in the message were to be received by someone at 9 o'clock. Et devait être reçu par une autre personne. After delivering the message, Ti and Kung were driving northward to Sambor. Ti et Kung sont partis vers le nord en direction de Sambor. Ma question précise est donc de savoir si c'est la seule fois que Ti et Kung ont remis un message à Rome, à votre connaissance. That was the only one time. Réponse. C'était la seule fois. Since the period I started working there up to the time that I left, that was the only time that I saw or learned about the message. C'était la seule fois que j'ai entendu parler de message. Et pour être bien clair, ce message que vous dites avoir lu ce jour-là, ce n'était pas un télégramme, c'était une lettre manuscrite, enfin en tout cas une lettre écrite ou tapée, version papier. Usually, the message was encoded. Généralement, le message était crypté. And then it was put into a letter. Usually, letters in physical copies were not originally produced. First, it was to go through telegram. If you still have doubts, I am happy to enlighten it. Par le télégraphe. Si vous avez des doutes, je pourrais développer davantage. En fait, ma question est de savoir, c'est au moment où vous avez lu le courrier venant de M870, est-ce que vous saviez s'il avait déjà, c'était un télégramme qui avait été décrypté, ou est-ce que c'était un message qui était dès le départ tapé à la machine ou manuscrit? Est-ce que vous aviez le moyen de savoir, est-ce que c'était d'abord venu par télégramme et décodé par la suite au niveau du service de télégramme de Ti et Kung, ou est-ce que vous savez si c'était un message qui était dès le départ en version papier? In its original form was a paper message, a message on hard copy paper. Allow me to clarify that matter. In the past, the message was originally encoded. Par le passé, le message for example, the subject would be to Rome. It is requested that a certain individual invited to specific location, and then the wishes were included at the end of the message. L'invitation de telle ou telle personne à un certain I endroit. Was not quite et sure at the time whether the message was originally from T
tea and gong, and what I knew at the time was that the message was brought by tea and gong from the airfield. And the telegraph office was 3 or 4 meters away from the location that I was working. In fact, the message was decoded from the telegram. En fait, le message était décodé. And after that, everyone was in a hurry to T and Kung were in a hurry to move on. Ensuite, T et Kung se dépêchaient de passer à autre chose. Je vais vous demander de m'excuser si j'insiste, mais dans ma traduction en français, j'entends que vous utilisez le pluriel, comme s'il y avait eu plusieurs messages donnés par T et Kung de cette façon. Donc, une précision, est-ce que vous parlez d'un seul message ou est-ce que vous parlez de plusieurs messages? As I clarified earlier, there was only one letter during the period of 1 or 2 years that I stayed there. Durant la période, there was only one handwritten letter. Que j'ai passé à mon lieu de travail. It was very difficult to deliver any hard copy mail from Phnom Penh to other zones. Even for the injured soldiers, it was very difficult to find any plans to transport them to the hospital. Même pour les soldats, il était difficile and de les usually the communication would be done via telegraph transmitters. Par transmission